Allez, dans l'Expresso ce matin, on va s'intéresser à ce qui va sortir dans les chaumières ce week-end. Et cela, on le fera toutes les semaines, alors abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vais vous parler des sorties FFG, Edge, Asmodée, quelques petits ovnis au passage et puis on terminera avec Warhammer. On commence avec Meurtre à l'hôtel Excelsior. Les investigateurs doivent résoudre un meurtre à l'hôtel Excelsior dans ce scénario pour Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Malgré l'heure qui tourne et le danger qui rôde à chaque coin, parviendrez-vous à découvrir la vérité qui se cache derrière ce meurtre macabre et à blanchir votre nom? Ou serez-vous la prochaine victime? Ce scénario peut être joué de manière indépendante ou en tant qu'aventure annexe d'une campagne. On aura également la vision d'un champion pour 14,95€. C'est un paquet dynastie pour la légende des 5 anneaux, le jeu de cartes. 60 nouvelles cartes, 19 en 3 exemplaires chacune et 3 cartes en 1 exemplaire. La légende des 5 anneaux vous plongera dans le monde mythique de Rokugan où vous prendrez part à des batailles militaires et aux intrigues de la cour en quête d'honneur et de gloire. Descent aura lui aussi droit à une traduction, les légendes. Redécouvrez d'antiques savoir-faire et techniques perdues depuis une éternité dans les méandres de l'histoire et enseignez-les à tous vos héros dans Descent. Avec 2 classes standards et 8 classes hybrides inédites, cette extension ouvre la voie à des centaines de nouvelles combinaisons de classes et de héros que vous pourrez découvrir au fil de vos aventures à Terrinos. Pour ce qui est des jeux de plateau, on aura Last Bastion, où une poignée de héros vient de dérober les puissantes reliques de la Reine Funeste. Sans celle-ci, l'immortel est affaibli, les récupérer est désormais son seul but. Retranché dans le bastion des rois anciens, les hauts mages tentent de les détruire, pendant que les héros défendent le lieu au péril de leur vie. Inlassablement, les hordes menées par les seigneurs de guerre prennent d'assaut les remparts. Vous l'avez compris, dans ce jeu, ce n'est pas vous l'assaillant, mais c'est vous qui êtes retranché. On inverse les rôles, c'est sympa. Mais également, on va avoir Shabadabadabada Party. Je vous dis pas comme il faut s'entraîner pour le dire. Et donc, Shabadabada Duo se fait un remix retrouvé dans cette nouvelle édition, la compilation de Shabadabada 1 et de Shabadabada 2. Faites preuve d'inspiration pour retrouver des chansons françaises ou anglaises à partir de simples mots. Une fois la chanson retrouvée, il faudra l'interpréter afin de prouver ses dires. Soit du mieux que vous pouvez, mais les casseroles seront bien entendu bienvenues. Bad news chez 404 éditions. N'ayez pas honte d'inventer les pires news pour gagner. Passez une soirée entre amis sous le signe du breaking news en créant des bad news les plus trash, drôles, déjantés possibles. Complétez des news anodines pour les rendre racoleuses. Et pour gagner, une seule solution, être le journaliste le plus créatif et le plus irrévérencieux possible. Ça sort donc le 25 et je pense qu'à BFM TV, on va se régaler. Pour des soirées sympas entre amis, on aura « Ceci n'est pas un quiz porno », quoique, chez Unis Édition. À travers 500 questions et défis, Davy Mourier propose un quiz rigolo, illustré avec un style élégant, qui ne triche pas ou pas trop. Jouez avec vos amis dans une ambiance potache, décomplexante et décomplexée, pour un rire garanti, même pas forcé. Retrouvez le titre d'un film célèbre qui se cache derrière son pitch pornifié. Trouvez un film pas porno caché au milieu de ces films porno. Devinez quel célèbre film se cache derrière ce dessin de... Vous m'avez compris. Bref, simple, efficace pour l'apéro. Allez, pour finir, le côté de Games Workshop. Et donc la sortie sera pour le samedi, car vous le savez, FFG sort ses produits le vendredi et Games le jour suivant. On va retrouver ce que je vous ai déjà présenté lors de mon dernier expresso, à savoir le codex de supplément des Imperial Fist et des Salamanders, ainsi qu'une figurine exclusive par section, Thor Garadon pour les Imperial et Adrax Agathon pour les Salamanders.
Toutes les cartes pour les deux factions seront également présentes, ainsi que des kits de conversion. On n'oubliera pas les Primaris Incursor Infiltrator et le tant attendu Impulsor qui pointent leurs armes pour le même week-end. Voilà, j'ai fait vite, mais c'est le but de la formule, vous le savez. J'espère que cela vous a permis d'y voir un petit peu plus clair pour ce week-end. Vous retrouverez un lien des jeux en description. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le prochain Expresso spécial sortie. Allez, ciao !